Bonjour à vous tous, amis bricoleurs. Voici quelques détails de mon dernier poêle roquette réalisé sans soudure avec du matériel recyclé que j'ai acheté pour 60 centimes du kilogramme chez un ferrailleur. Alors le ferrailleur, c'est un peu comme une caverne d'Ali Baba. Alors, il y a d'abord ce grand tube carré qui est bouché à ses deux extrémités par une petite tôle coulissante. Le combustible est posé dans cette pièce-là verticalement et vient brûler au fond. Les flammes vont venir taper sur le bas de la cheminée interne et remonter pour venir taper sur le fond de la cocotte minute en inox qui a été mise à l'envers. Et elle va se transformer en plaque de cuisson. Cette cocotte minute est mise entre une bouteille de gaz en extérieur et une chemise d'étanchéité à l'intérieur. Entre la bouteille de gaz et la cheminée interne, j'ai rempli de sable qui a plusieurs rôles. Le premier, c'est de rendre étanche aux fumées cette jonction-là. Le sable a aussi isolé le foyer pour que la peinture d'origine de la bouteille de gaz reste intacte. Et quand le feu est éteint, la chaleur emmagasinée par le sable va diffuser vers l'extérieur pendant à peu près 2 heures, comme un radiateur. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. Les gaz vont descendre ici, rentrer par cet orifice-là, et venir ici, et être déviés, et remonter dans la cheminée extérieure, parce qu'ils sont aspirés par le conduit de fumée, qui fait 100 de diamètre par 2 mètres de hauteur minimum. Ça fait 50 et après je laisse 30, c'est ça. Quand je mets du bois, il faut absolument fermer la grille. Voilà, au bout de 5-6 minutes, la combustion est quand même relativement propre. Si je veux brûler du BRF ou de la plaquette, j'ouvre. Je mets ce brûleur là et qu'il n'y ait rien d'autre qu'un panier qui va retenir le combustible tranquillement pendant qu'il est en train de brûler. Qui vient buter contre ça. Quand le feu a bien démarré, je remets la plaque ici.
Voilà. Je bloque ici. Voilà. Là, il y a juste le passage qu'il faut pour pas que ça aille trop vite. Quand c'est presque vide, comme il y a une grosse section ici, il peut y avoir de l'air qui rentre là, puis des flammes qui sortent à côté. Du coup, pour être sûr, il faut juste mettre une petite plaque dessus, comme ça, dès le départ, et on est sûr que l'air va rentrer et là et ici. Il n'y aura pas la place pour qu'il y ait de l'air qui, des fumées qui sortent. Et si je veux brûler du granulé de bois, ben j'ai fait un autre brûleur exactement sur le même principe. C'est juste que comme le granulé est plus fin, et ben les mailles du panier sont plus resserrées. Et comme énergétiquement il est plus dense, ben j'ai fait un panier plus petit. Et pour alimenter juste le panier, j'ai mis un tube de 80 que j'ai pincé ici, qui vont alimenter juste le panier. Voilà. Je vous montre comment le fabriquer et je vous offre le gabarit de perçage. Allez, c'est parti. Alors là, il faut complètement fermer l'air ici pour que l'entrée d'air se fasse uniquement ici et pour que ça refroidisse vraiment bien ce tube-là. Après de nombreux essais en extérieur, j'ai enfin rentré ce poêle à l'intérieur et je l'ai mis en parallèle du poêle traditionnel que j'avais pour le tester un petit peu en conditions réelles. Alors la première grande surprise, c'est que le tirage n'était pas le même vu que je suis passé d'un tuyau diamètre 100 par 2 mètres de haut à un tuyau de la maison qui est en 150 et qui fait 6 mètres de haut. Il y a eu tellement de tirage que le poêle là, il est devenu tout rouge. Et ça sentait pas mal la peinture. Et le dessus là, de la cocotte Minux, il s'est mis il a un petit peu gondolé, ce qui fait qu'on cuisine un petit peu moins vite. Mais bon, c'est pas encore trop gênant. Du coup, j'ai dû ouvrir la trappe derrière pour couper le tirage. Voilà. C'est pas un problème spécifique à ce poêle là, parce que si à côté j'avais mis 10 kg de bois et laissé le tirage ouvert, on aurait eu les mêmes dégâts. La température des fumées aussi entre 150 et 200 degrés. Côté performance, les deux poêles sont équivalents. Chacun d'eux arrive à me chauffer la pièce principale de 1 degré par heure. Le gros avantage de ce petit poêle, c'est qu'il ne consomme qu'un kilo de bois par heure et le gros un peu plus du double. Mais paradoxalement, comme je mets des grosses bûches là-dedans, et ben c'est celui-là que je dois recharger deux fois plus souvent. Ce poêle n'est pas très compact, mais j'avais besoin de mettre de la distance entre le conduit d'alimentation et les peintures de la bouteille de gaz ici. Mais l'arrière me permet de poser une petite casserole pour faire mijoter une sauce tomate pendant que je prépare mes pâtes. Hein? Quoi demander de plus? J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. La suite du programme, de recouvrir tout le poêle dragon de milliers de modules pelletier pour faire de l'électricité. Non, je rigole. Mais avec toutes les surfaces planes qu'il y a ici, il y a moyen de se faire plaisir. Merci à tous les tipeurs qui ont financé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.